Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo un peu spéciale puisque ce sera une vidéo présentation de mes nouveaux achats slash. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Donc là déjà j'essaie de caler la caméra parce que ça va pas tenir. Et c'est parti. Donc voilà. Clairement je mets ça comme ça. Donc c'est bon, là on voit bien. Donc on va commencer par ce slash là. Donc c'est un... Apparemment on voit sa tête là. C'est un colis que j'ai commandé sur Amazon. Et voilà, donc on va l'ouvrir. Je trouve que c'est pas très très bien emballé. Il est magnifique. Il est magnifique ce cheval. Il est parfait. Il est trop beau. Il a des pommelures. Des balzanes blanches. Et très bien nuancé. Donc je ne sais pas c'est quoi sa race par contre. Donc je vais vous lire les descriptions. Okay, il date de 2018. Et il s'appellera Poppy. Donc voilà. Je vais le mettre ici. Ensuite, nous avons notre poney, cheval. Je ne sais pas trop. Oh, ah oui. C'est... Ah, il est tout plein de sable. Berk. C'est l'étalon Quarter Horse en Isabelle. Il est juste trop beau. Et il date de 2018. Pareil. Et il est juste trop, trop beau. Donc voilà. Il est comme ça. Et il s'appellera Summer. Ensuite, j'ai un autre cheval où c'est un arabe. Et oh, il est magnifique. Donc... il y a une liste sur la tête de 3 balzanes. Il est ferré, c'est un papo qui date de 2010. J'ai un poulain lipizzan également chez moi. Mais voilà. Et il s'appellera Lotus. Donc là, je pense que c'est le même, mais pas dans la même couleur. Je pense que c'est un remake. Ah oui, c'est le talon Quarter Horse, mais en noir. Il est trop, trop beau. Il a 3 balzanes. Il n'est pas ferré. Il date de 2018, il me semble. 2013, tiens, celui-là. Ah bah lui c'est un l'étalon Quarter Horse Summer. Ah je vous ai pas dit comment il s'appelait. Ah si, je vous dis Lotus. Et lui il s'appellera Arizona. Et il date de 2013. Et donc Summer ça doit être un remake. Parce qu'il date de 2018 là. Et je l'ai eu normalement avec un 7. Mais je l'ai pris sans le 7. Le 7 je l'ai déjà chez moi. Avec l'espèce de licole. La sangle et la selle. Et voilà. Et j'ai deux cavalières. Et on peut les acheter également tous. Ah, celui-là, je l'ai eu en librairie à Bourg-Achard. Mais les autres, je les ai eus à Toys R Us. Et donc là, je vais ouvrir un dernier paquet. Donc rond, je pense que c'est deux cavalières. Parce que j'ai commandé deux cavalières à quelqu'un. Mais elles sont très très abîmées. Il y en a une, c'est une pote qui me l'a donnée. Donc, coucou si tu passes par là. Elle s'appelle Marie. Donc, c'est une papo de 2005. Et elle est un peu abîmée sur le dessus. Mais sinon, elle est très 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 belle. Je l'aime énormément. Je suis comme une youtubeuse de beauté. Et donc voilà, elle est super belle. Et par contre, elle a un peu de grandes jambes.
Et aussi, il y a quelqu'un qui me l'a prêté. Enfin, qui me l'avait prêté, mais je l'ai perdu. Et du coup, j'ai recommandé cette cavalière de dressage. Voilà. Qui date de... je ne sais quelle date, ce n'est pas marqué. Bon, je ne sais pas. Je crois 2005, un truc comme ça. Mais voilà, je ne sais pas. Elle est super belle. Et voilà. Donc, si la vidéo vous a plu... Si la vidéo vous a plu, mettez un like et mettez des commentaires et abonnez-vous. Surtout, j'aimerais bien passer les 30 abonnés. Oui, aussi, je suis désolée pour le manque de vidéos, mais j'avais pas trop le temps. Et voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, c'est génial. Et je fais un coucou à, je vais pas dire son prénom, mais on va dire l'abeille. Elle se reconnaîtra si elle passe par là. Et bébé Autruche et bébé Chacha, si vous passez par là, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.